18 416 familles sinistrées et 1325 personnes qui arrivent déplacées. Mesdames, messieurs, il y a environ 153 bêtes qui perdent et yon grand moun ta mouri. Ça c'est le bilan des gars qui enregistré dans la commune Cité Soleil après la pluie qui était fin tombée sous paysan samedi 2 juin 2023. Autorité communale yo présenté bilan ça environ 2 semaines après et demandé l'état central lan porter victime yo secou souple. Dans l'autre bois nous gagnons protection citoyen Ronan Edouville qui lui-même t'a réagi sous du feu qui est arrivé éclater dans marché 2000 Delma 29 lan et tout il lancé un appel by gouvernement pour assister victime yo. Défenseur droit moun nan t'a exprimé regret que li gagnait par rapport avec situation ça qui souvent a répété. Madame monsieur population dans région Balatibonitlan pas décidé rester bras croisés devant action bandi yo encore dans sa vient. Citoyens yo bloqué route nationale numéro 1 depuis plus passé 2 semaines dans objectif pour capable protéger tête yo contre attaque bandi yo. D'une autre part, dans une lettre tout l'ouvri que doyen tribunal premier instance a écrit Maître Lucien Jocelyn, bâtonnier Lord avocat au Kailan, Maître Eval Supplice Mandeli, pour lui capable prendre toutes dispositions nécessaires pour organiser audience ak pénal dans la juridiction au Kailan tout de suite après trêve griffier yo. Donc, mesdames, messieurs, je voulais rappeler pour nous que palais de justice au Kailan dysfonctionnel depuis environ 11 mois. Et nous gagnons tout d'une autre part l'inclusion fait la force. Ça, c'est bien sûr thème Office Protection Citoyen OPC. Dans tête collée ensemble avec regroupement et sensibilisation pour bien-être albinos en Haïti qui est arrivé célébrer Journée internationale sensibilisation albinisme mardi 13 juin 2023. Là. Dans l'occasion, ça, côté que citoyen Ronan Edouville, protecteur là, li regrette jusqu'à présent que albinos yo continue à subir la discrimination. Il était plaidé de tout en faveur bon gens soins santé et avantages sociaux pour catégorie sociale ça qui vraiment négligé. Mesdames, messieurs, nous avons tous divers enseignants qui travaillent dans l'école qui dans programme Sugo ak Ponek dans département Nipeyan. Yo te devant bureau départemental éducation en tout hier qui était mardi 13 juin dans cadre yon sitting. Objectif mouvement ça c'est pour exiger l'état l'argent de l'année de travail que yo travail et que ministère éducation nationale ta doué yo pas jamais touché. N'a pris en courte pause, c'est grand point ça nous va élaborer à aujourd'hui hein. N'a tourner tout de suite après. Je s'ai annoncé, mesdames, messieurs, nous avons un magistrat commune Cité Soleil, Jean-Islaine Frédéric, ensemble avec tout responsable protection civile dans la commune Silla, Jean-Charles Stecker, qui lui-même présenté journée mardi 13 juin 2023, bilan des gars qui enregistré dans la cité après la pluie qui était fin tombée sous pays d'Haïti 2 à 3 juin 2023. Gagné environ 28 416 familles qui sinistrées, gagné tout 1325 monde qui déplacés et gagné en affaire de 153 bêtes qui perdu dans de l'eau et 57 monde blessés et un monde qui mourit d'après autorité communale. On va gagner chance tande kounia un reportage avec Josué Bellamour. Des centres-villes, des premiers vareux et deuxièmes vareux, nous gagnons en total 18 416 familles qui sinistrées. Côté nous gagnons 1 325 monde qui déplacés, 153 bêtes moun yo perdu, nous gagnons 55 monde qui blessés, nous gagnons un monde qui perdu la vie. Ces bilans autorité communale Cité Soleil a dressé mardi 13 juin, environ 2 semaines après gros la pluie qui tombait sous pays A. Premier et deuxième vare, Cité Lumière, Projet Douya, Boisneuf, Tiaïti, Linto 1, c'est quelques parmi zones dans la commune Cité Soleil qui plus inondé. D'après magistrat principal mairie Cité Soleil, l'agent Islain Frédéric, qui fait connait citoyen dans zone Sayo, la guédé bras balancé. C'est gros problème pour faire ça pendant un moment cyclone qui dans tout pays a bagayo pi mal pour moun sa yo côté que de l'eau sale fatra qui sorti dans monyo pour les descendre dans pleine là. Rentrer kaimonyo pote aller tout ça rejoindre tête bête yo craser jardin yo côté toute bagaille aller toute pièce yo particulièrement
monde premier, deuxième, vareux, monde des lumières, première et deuxième cité, projet d'Ouya, Wanner, Diaï, Neto 1 à 2, monde Boubli, Wap Cité Soleil et la Tour. Jean-Charles Stecker, responsable protection civile commune Cité Soleil, qui t'a présenté bilan des gaillots, fait appel à pouvoir central pour porter assistance by PEP Cité Soleil là, qui n'a une condition déplorable. Nous demandons aux autorités pour que yo capable porter attention yo by PEP Cité Soleil là, qui n'a gros dilemme face à gros la pluie ça, qui fait inondation 2 juin à 3 juin. Ils mettent de dans yo. Tout bagay yo aller, pièce yo qui très important pour yo yo aller. Dans ce sens, la vie yo, son la vie, nous va connaître comment moun sa yo même yo va recommencer la vie ça. N'ap signalé, Cité Soleil, c'est une parmi communes qui plus ville l'érable. À côté problème insécurité qui a ravagé puis gros bidonville pays a, insalubrité ak inondation chaque les dégoutte la pli tombé, c'est quelque autre problème commune n'a fait face. Autorité communale yo nan occasion présentation bilan ça, ko état doit gen bon janmezi qui prend pour soulager Pep Cité Soleil là qui pa konn a ki sain pour l'adresser. Josué Belamour, TAC 509. Sans plus tarder, nous gagnons tout Office Protection Citoyen OPC qui vous est sympathique by toute marchande à la honte balai qui va dire marchandise dans le marché 2000 Delma 29 là dans du feu qui était éclaté mardi matin qui saute passé là 12 juin 2023. Eh bien, protecteur citoyen te rappelé que c'est pas pour la première fois que mode d'action ça yo a répété dans la société. Renan Edouville te mandé avec gouvernement souple, prend responsabilité yo et disposition nécessaire pour assister victimes. Renan Edouville te nan micro. Nous voulons présenter des mots de sympathie, des mots de réconfort, des mots de solidarité envers des centaines de marchands qui perdu tout avoir yo hier dans l'occasion gros incendie qui ravageait marché 2000 dans le 29, dans la date 12 juin 2023. Ce n'est pas la première fois que ma chambre est victime de gens de calamité salue. Les boutons des pays d'Haïti ont mal fonctionné, les boutons des gains d'insécurité, les boutons des gains de négligence, c'est ma chambre avec l'autre monde qui est fait dans la société qui portait tête cassée. Dans le mois de mai, c'est une bonne mémoire, dans la date 5 mai, bon, gros incendie comme ça qui était ravagé le marché dans Pétionville. Et bagages ça, c'est pas année 2023 qui a commencé, ni l'année dernière. On est capable de dire depuis des années, à chaque fois qu'il y a instabilité, mauvais fonctionnement, insécurité grandissante, si machin yo victime. Dans l'occasion ça, nous voulons demander l'État pour une considération spéciale envers machin yo. Nous voulons pour l'État central, là, à travers instances qui concernent, on a parlé du ministère des Affaires sociales et du travail, on a parlé de l'autre instance qui est en termes du ministère des Affaires sociales, tant pour l'ONA, l'OFATMA, et tant d'autres, pour élargir le régime de sécurité sociale qui est en Haïti en faveur de marchand de tout, et l'autre monde qui est dans le secteur informel, là, pour que marchand de capable de bénéficier de toute une gamme d'assurance sociale, assurance en cas de maladie, assurance en cas d'incendie et assurance en cas de vieillesse. Donc bref, joindre Santarelé, nous panier en matière de sécurité sociale. Et oui, nous avons Frédéric Jean-Luxon avec Moïse Raymond, qui c'est Kazek Vare 1 et 2 dans la commune. Cité Soleil, qui te levé voyo très haut pour demander avec autorité centrale, s'il vous plaît. Voyager garder habitants Cité Soleil yo spécialement moun na plein qui non situation qui difficile à chaque fois que la pluie tombe à cause de rivière grise dan qui toujours a bail de gros problèmes. Kaze ke te mande avec autorité s'il vous plaît qui te rivière ça yon façon pour capable empêcher gros dégâts ta ak inondation bien sûr ta continue fait dans cité. Et puis loin kaze ke attire attention autorité yo dans l'état concernant ka choléra yo qui a augmenté dans commune Cité Soleil là alors que autorité sanitaire yo pour qu'on fait aucune intervention sous problème si là. Frédéric Jean-Nixon avec Maurice Geoffrey Monté dans micro. Face avec Jean catastrophe là paraît là, il saccage toute commune Cité Soleil. On va regarder la plaine, c'est une zone qui victime de toutes sortes. Jean de l'eau à venir qui est en bon cas qui est exagéré là.
Et pour nous capables de rejoindre la protection civile, nous avons une zone la housse et l'autre zone avoisinante, la Diocommerce. Et zone ça, il y a des cas de choléra qui répétaient là-dedans. Et notre petit temps qui n'est pas trop long, si nous avons un coup de pied dans sa frontière, la dit nous qui va aller moun dans la zone la housse qui va aller cas de choléra qui récupérer dans la zone la housse Blanchard et la Trier. Donc, nous-mêmes, ça que nous avons aimé, et spécialement l'État il s'est fait pour nous, dans la zone la pleine, nous avons aimé que la rivière ait tiré, nous faisons tirer la rivière et ensuite planter des pieds bois à côté de la rivière, l'aide de l'eau à venir. Je pense que les gens de la plaine, et tant pour Troutier, et la zone Vaudreuil, et l'autre zone avoisinante, je pense que si la rivière a venu tirer et reboisé, je pense que l'eau a pas saccagé les gens de la plaine encore, spécialement les gens et la communauté de soleil. Et moi-même salue la présence de chaque monde qui est là dans le panel là, qui est magistrat, protection civile et tout l'autre casek. Moi-même, c'est casek Frédéric Jean-Dixon. Nous-mêmes, nous avons dirigé le deuxième varé qui est sous commune Cité Soleil. Je vous remercie à la félicité magistrat Frédéric Jean-Dixon qui fait nous part des conférences pour la presse. Nous-mêmes, la première vague, le plus gros problème, nous, c'est la rivière grise. La rivière grise, là, nous connaissons nous-mêmes dans la plaine. Là. C'est canet banque paysan, c'est bête avec jardin. La rivière grise, chaque année qu'elle passe, il prend tout canet pour ça, l'aller. Et l'État lui-même, en retour, il va faire rien pour eux. Nous demandons la rivière grise, là, c'est pour eux qui rêvent, rabionner. Et bon, ils ont mis qui ont fait sous route neuf là, travail ça pour finir. C'est une cause qui la cause pleinement inondée. Mon premier pont que ont fait, pour des affaires premier gros pont, pont ça bat, il vient permettre de faire un bouchon, toute bois qui vient, le corps la donne, ça permet de l'eau monter, vient inonder tout le monde. La demande pour l'État central. Il lever pour ça pour nous et il finit pour nous. Deuxième cas, nous avons des chats routiers qui ont 6 communes qui ont jeté des fadras là-dedans. Là. C'est un plus gros problème qui est dans le plaine. Fadras tombent partout, tribord et pas bon. Ça permet de coucher tout le canal secondaire nous, dans le plaine. C'est un les rivières montées, ils ont un côté plat dans la mer à cause des canaux secondaires, fadras qui sortent de Pétionville, qui est sport. Port-au-Prince, Delma, pour aller bouquer net, toute fabrique ça a envie de venir dans tout canal, dans Cité Soleil, à cause de si la guerre dans trois plaines, il n'y a pas qu'à Québec. Je vous dis, on a fait face avec un troisième gros problème, qui c'est le choléra, qui était dans la depuis avant la catastrophe. Bon, pendant la catastrophe, ça a été grave. Celle-ci, sans nous gagner dans cette section-là, il n'y a pas qu'à Québec encore. En parlant de sans frontières. Et voilà, grâce avec financement Banque Interaméricaine pour développement, qui c'est BID, li nous capable d'immérer Cité Soleil pour aller gagner pour réaliser plusieurs projets dans la communauté là, parmi yo Rai Canal, yo qui vraiment pas curé depuis plusieurs années, plus passé 20 années d'après agent intérimaire exécutif Cité Soleil, l'agent Isner. Frédéric, li profite mande support habitant yo nan cité ya. Tankou, surtout bien sûr nan groupe armé yo, nan l'idée pour faciliter exécution projet sa yo. Jean-Islain Frédéric, te nan micro. Grand projet pour commune Cité Soleil. Et gen un projet pour mettre de l'eau dans toute fontaine. C'est un projet que dit les patap chercher l'argent ça depuis 2017. C'est pas jam ka jwenn kòb la. Je dis à la BID, bah, au financement pour que le projet soit réalisé. Donc, nous allons refaire tout et côté pour le passé, que tout et kiosque est bon de l'eau là. Nous avons demandé avec la population pour le côté collé. La population dans toute forme, tout côté, toute qualité de monde côté collé.
professeur d'école, agent social, monsieur qui gagne zam dans mais tout, n'a demandé tout le monde pour décoller le projet à réaliser pour la population. Et nous avons l'autre gros projet encore, c'est un projet d'assainissement qui va permettre de curer le canal. C'est un projet que la mairie déjà achète ensemble avec PADF qui va exécuter sous peu. Donc, nous avons demandé encore avec la population, parce que le projet, ça c'est le projet. Et le canal a gagné plus que 20 ans de mieux curer. Et je dis un projet après pour vous, nous avons demandé tout le monde pour vous coller pour que le projet soit réalisé. Et nous avons demandé encore santé publique pendant la période d'inondation pour que vous venez en aide avec la population ça, parce que la choléra a monté. Donc pour vous apporter des médicaments pour vous pour que vous nous fini, pour que vous nous jeune souffre avec la choléra. Mouvement point final là lui-même qui a suivi là avec un pile attention réponse que l'état d'où pote by victime inondation dans commune Léogane nous gagne Fares lui-même qui déjà distribué kit alimentaire à glo mais demande dans lui-même li toujours nous connaît que rivière yo toujours été gros menace trois rivières qui était cause inondation yo d'après ça que Ulysse Jean Chenet t'a dit li mandé avec responsable dans ministère s'il vous plaît. Ministère de Travaux publics, s'il vous plaît, prend des dispositions qui sont nécessaires pour nettoyer les rivières qui sont capables de saboter à n'importe moment que la pluie a tombé. Eh bien, l'été dans le micro pour plus de détails. Dans la deuxième semaine, là, nous commençons à finir par remarquer la présence de l'État haïtien, surtout Fayès, qui depuis lundi 12 entamé une grosse campagne de distribution de kits alimentaires et d'autres éléments en dans commune pour capable aider les victimes. Mais il y a la société civile de Léogane qui était vraiment en branle depuis le lendemain de l'inondation. Côté société civile, on a livré une vaste campagne d'assainissement, de nettoyage, de distribution d'eau, de cliniques mobiles, de un paquet de travail. En dans commune, de concert avec la protection civile, il y a la mairie de Léogane tout qui a dégagé le coup mettre Jean-Jacques malgré qu'il pas gain gros moyens, qu'il pas gain gros ressources financières, qu'il pas gain en pile ressources humaines, qu'il pas gain gros moyens logistiques, mais quand même il était dégagé yo. Mais maintenant et presque deux semaines après gros inondation ça, nous même au niveau du mouvement point final, nous mandé l'État central, l'État haïtien et surtout le ministère des Travaux publics que nous pouvons voir peut-être dans la commune Léogane et que nous mandé ministre Travaux publics là, Rosemont Bradel, pour voyer matériel louyo vini Léogane rapide parce que nous sommes en saison cyclonique, la ville de Léogane est encore exposée et toujours vulnérable aux inondations, et bien nous besoin matériel, nous besoin engin lourd pour nous capables cuirer ensemble de rivières que nous sommes cité là yo d'une manière en cas d'éventuelle inondation pour ville pas tourner dans même état que le TEA. Et bien dans sens ça nous voyons une demande express by ministre Travaux publics là, voyez matériel Travaux publics au vini Léogane rapide, voyez matériel CNE au vini Léogane rapide, voyez matériel SNCRS au vini Léogane rapide, parce que la ville de Léogane est encore exposée aux inondations, parce que nous sommes encore au début de la saison cyclonique 2023, et ville Léogane est une ville exposée et très vulnérable aux inondations. Exactement, l'école qui t'a inondé dans la commune Léogane jusqu'à présent pour qu'on ka l'ouvri. Yo pou ka relouvri, plusieurs ti moun pou ka tourner l'école à cause que yo perdu toute fourniture classique yo. D'après responsable pour final lan, li mandé avec Nesmi Maniga souple prendre des dispositions nécessaires pour voyer matériel pour nettoyer l'école yo souple et kit scolaire tout pour élèves qui victime yo dans fond national éducation. Eh bien oui, c'est comme ça information yo a déroulé. Deux semaines après l'inondation majeure ça qui saute briser la ville de Léogane et qui inonde environ une cinquantaine d'écoles dont et plusieurs écoles nationales, jusqu'à présent l'école ne peut recevoir visite ministre l'école pas qu'attendre et que l'école qui était inondée même nettoyage pour qu'on fait là-dedans voir pour t'a parler de et réouverture des classes pour l'école ça yo. Il y a environ 20 000 simoun qui victimes dans inondation qui sont faites là, tout le monde ne peut pas retourner à l'école parce que valise yo aller dans l'eau et uniforme yo aller dans l'eau.
tout bagay yo ale nan dlo, yo pa gen bagay pou mette nan pie yo, yo besoin kit skolè pou yo kapab retounen l'ekol, et que malheureusement, minis l'ekol pa katan nan, pa reporte l'ekol, et pou permette que ti moun l'ekol le yo ganyo ki inonde ya, ki sot victime lan, kapab repren yo, et ke li kembe menm dat lan, li pa menm, et pense avec un calendrier spécial pou ti moun yo nan le yo gany. Et que nou mande minis, Nespe Maniga, vini, voye, fonds FNE, l'argent 21 milliards de gouttes que le gouvernement s'est débloqué, voyez cop, voyez matériel pour venir nettoyer l'école, voyez kit et scolaire, kit d'hygiène pour 20 000 Simon Sao qui victime dans l'inondation, qui pas qu'à retourner l'école, pour être capable de jouer un moyen pour retourner l'école, et que nous même en dans le mouvement point final, nous demandons intervention rapide, ministre travaux publics là, nous demandons intervention rapide, ministre éducation et nationale là, parce que rivière yo, nous besoin curer yo rapide, l'école yo, nous besoin nettoyer yo, pour toute l'école capable de prendre fonctionnement yo normal, et que Maniga, si vous avez un programme, l'école Pakatan, eh bien l'école Léo Gagnon Pakatan, tout après inondation qui était sous tête, dans la date 3 juin 2023, qui inondait totalement la commune de Léo Gagnon. Et que nous avons intervention nous toutes pour nous capables permettre que Villa reprenne cours normal. Nous avons tout mouvement, point final encore, qui critique acteurs politiques qui alchita dans le pays Jamaïque. Eh bien, Ulysse Jean Chesnais considère que délégation celui-là comme yon traite qui crachait sous l'histoire ancêtre. D'après dirigeant politique là, acteur sa yo, yo a fait jouette avec communauté internationale là, au lieu yo ta prend des dispositions pour résoudre crise politique là qui la caille nous là et li mandé avec population s'il vous plaît, lever campé contre gouvernement ça qui va régler rien pour pays là. Nous considérons délégation ça comme un colis d'esclaves qui règne dans une colonie britannique dans le Nouveau Monde qui est la Jamaïque pour yo capable al prendre l'ordre nan men kolon yo. Délégation ça n'a dit que li dirigé par un commandeur et le commandeur n'est autre que le PM Ariel Henry. C'est comme du temps de la colonie au 18e siècle. Alors en fait, nous autres, au niveau du mouvement point final, nous prenons note sous délégation ça qui était entassé yo à bord yon ti avion qui représentait le bateau négrier qui était qu'on a transporté esclaves de on colonie à on l'autre colonie dans le Nouveau Monde. Et que c'est même scénario yo cap répété et nous déjà considéré délégation ça qui a participé dans sommet CARICOM a fait Jamaïque là comme une délégation de traite à la patrie, comme des hommes qui ont ruiné la souveraineté et l'indépendance d'Haïti. Et que en ce sens-là, nous autres, au niveau du mouvement point final, nous déjà mandé population haïtienne là pour soulever contre apatride sa yo qui mettait l'avenir pays en danger. Et d'ailleurs, 2 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, situation pays a venu plus compliquée à tous les niveaux. Plus insécurité, plus crise alimentaire, plus crise économique, plus crise sociale, plus cas de Jacques sous forme, plus problème en d'un pays, à tel point que le 3 juin 2023, tous 10 départements pays ont été inondés et surtout la ville de Léogane qui a été ruinée par les inondations du 3 juin 2023 et que le premier ministre Ariel Henry n'a pas même voyé en note de solidarité, en note de sympathie by victime yo et li sotrenni au Bahamas kounye la li renni à la Jamaïque la prend plaisir la bamboche au nom de la République. Nous mande tout peuple haïtien pour lever campé pour capable by gouvernement ça que mérité et surtout pour mande départ Ariel Henry ak toute équipe liya qui effondre souveraineté pays a qui effondre l'indépendance pays a qui effondre économie pays a. Et bien c'est comme ça information yoyé. Nous gagnons d'une autre part dirigeant d'un groupe intégré pour développement Haïti yo Guida qui critiquait gouvernement en place tant qui mandé série de dialogues en que yo réaliser et yo pas jamais vle rien dans intérêt population yo pas jamais fait rien d'après coordonnateur Guida avec Fildeur Franky série rencontre sa yo c'est bien sûr pour acteurs politiques yo capable renouveler
pour voir yon na payan et bien Franky te nan mikoun. OK. Et je dis à nous vin là pour nous dire peuple haïtien qui plus que nécessité pour lever camper contre gouvernement qui là. Parce que les nèg qui dans l'état ici ou pas inspirer peuple la confiance. Tout ça vous fait en un pays là, c'est pour bien-être et pas pour bien-être population. Messieurs, dames, ça vous fait deux jours de chita sous insécurité dans l'hôtel Caribé. Deux jours ça vous qui s'allie. Yo chita, c'est manger à zami, faire zami au plaisir, et puis bye black, et ouais, comment on va changer ministère, comment on va changer direction, comment on va changer délégation. Et rien va sortir pour le peuple là. Mais seulement ça sorti. Il sorti pour groupe de monde ça yo comme un bon groupe de monde qui va devenir plus riche dans le pays. Et bagage ça continue car ils ont invité pour aller Jamaïque. Et monde qui invite à aller Jamaïque, qui est sûr? C'est compromis historique à Odon Bien-Aimé qui se proche pouvoir. À 21 décembre qui c'est à André Michel qui se proche pouvoir. Et où jouent tout et PHTK qui c'est Liné Balthazar qui c'est Zami pouvoir. Où jouent petite de saline tout qui j'ai une invitation qui c'est même amis pour voir. Alors dit jodia même moun sa yo qui aller Jamaïque là c'est pas un cas sorti pour peuple là. C'est seulement à négocier même bagaille qui te négocier dans hôtel Caribéo, c'est poste direction générale et puis délégation rien pas sorti pour peuple là. Insécurité a toujours été intacte. Et Ariel a fait moun yo connaît, il pas négocier rien avec aucun politique, il dit c'est seulement pour chanter, il y a pas qui pour négocier rien avec personne. C'est ça fait m'a tout dit politicien sanctionné. Ariel a répond décret pour dire pays sanctionné pour venir prendre là. Même genre et prévaltation on a tête en bas avec les États-Unis pour devenir prendre dire droit dans le pays. Et m'a dit malgré nous-mêmes en tant nous-mêmes dans Jida, nous avons un problème avec un bon politicien magouille un bon politicien tête en bas, mais c'est pas pays étranger pour qui vienne dire yo pas bon monde. C'est là pas bon monde dans pays fait zak corruption, c'est la justice haïtienne qui doit arrêter ou mettre en prison. Mais là on va la veille, wa, yo pas servir pays encore. Mais nous ça fait n'a dit politicien sanctionné, nous devons mettre tête ensemble pour nous pour chavir Ariel Henry dans le pays. C'est vrai nous besoin élection, mais c'est pas avec Ariel Henry. Mais n'a dit et hier 12 juin fait la police là 28 l'année. 28 l'année qui bilan la police là. Il a la police a gagné, c'est augmenter base gang en dans pays, c'est augmenter plus de sécurité en dans pays, c'est ça fait. Ancien directeur départemental éducation Latibonitlan qui lui-même en même temps tout qui membre fédération haïtienne football Daniel Jean-Chol qui était encouragé population s'il plaît qui est un mouvement bois calien d'après lui-même c'est seul grand moyen qui capable libérer pays en bas mais à tout fait yo et bien il t'a demandé avec nous en pile bagarre nous gain Daniel Jean-Charles qui t'a profité dénoncer quelques monde quelques bagarre qui gain gros impact sur la vie population. Daniel Jean-Charles t'es dans micro Venesse Désir depuis Trivière de la Tibonite. Condition qui besoin pouvoir pour satisfaire tête d'abord Pochio avec tes amis. Comment est le phénomène Bois-Calia là? Le phénomène Bois-Calia, c'est le plus gros phénomène après des choucages. Le phénomène Bois-Calia, c'est le plus gros phénomène après le massacre des Français. Le phénomène Bois-Calia, c'est le phénomène qui a libéré Haïti. Je ne vais pas dire bien fait pour ceux qui sont innocents, qui ont payé pour coupable. Mais depuis que nous parlons, il faut s'en mettre. Le phénomène Bois-Calia, il n'y a pas arrivé car en pile monde. Grand pile car monde pour arriver. Pour nous avoir importance ce phénomène Bois-Calia. C'est le phénomène Bois-Calia qui a fait Haïti pas sous protectorat. Même si son protectorat voilé, c'est le phénomène Bois-Calia qui a pour entrer tout côté, il doit rentrer pour Haïti, Haïti. Parce que il y a espoir toujours. Tant que nous avons espoir toujours. Pas occupé politicien qui a parlé. Tout a passé. Par un politicien dans le monde qui parle là, qui a fait campagne pour demander au peuple de voter. Donc Bois-Calia, c'est lui qui peut mettre fin à Gagnon. Bois-Calia, c'est lui qui peut mettre fin à tout nègre qui compte la population. Bois-Calia, c'est lui qui peut mettre l'ordre dans tout nègre qui est en opposition. Bois-Calia, c'est lui qui peut mettre l'ordre
kidnap ancien président ou bien tout nèg qui appelé à être président dans de mauvaises conditions dans le pays. Donc, bois Kalea, il est nécessaire et il est suffisant pour nous mettre Haïti sur rail pour gré. Gen coalition dans la Tibonite, dans la Tibonite là qui vous met contre base gang Rivio. En pile parole parler de coalition de base gang Rivio. Ou pensez un jour il y a mettre deux base gang la terre. Je suppose que dans fait ça déjà. Je suppose que dans fait ça déjà, c'est parce que yo pas gagné aide. Qui aide? Aide grand n'est cap dio ce grand entrepreneur yo. Bon sous entrepreneur bien gagné en danger. C'est ou bien ou avez investi dans le groupe qui a détruit les gens pour boire avant protection, ou bien vous avez investi dans le groupe qui oppose et qui a mis l'autre là. Je ne comprends rien. Et puis la police est née. La police, je connais. Quand que 6 policiers à peine sont morts là, et puis au lieu que les gens accompagnent les coalitions, c'est dans l'immigration de descendre dans le fait comme ça. Ils ont oublié toute misère que les gens ont fait passer. Et dit, sous prétexte qu'il y a tant l'ordre. L'ordre qui ça? L'ordre dans qui monde? Dans mes chefs, la police là, qui gagne pour compagnie de sécurité là. L'ordre qui ça? Dans mes Ariel Henry, que États-Unis déposé là. L'ordre dans qui est-ce? Nous parlons de ça qui est Léon Charles, qui a voté contre Venezuela. Et puis, qu'il n'y a pas la suite qui vient chef de la police. Nous, si t'es dans la mort Jovenel, ou pas retourner encore à l'ONU. Sans plus tarder, population dans la région Balatibonite, route nationale numéro 1, yo là depuis plus passé 2 semaines, yo bloqué route là pour être capable de protéger tête contre attaque bandit savien yo qui va suspendre faire tentative pour attaquer sous commissariat Ponsondéen. Et c'est grâce avec vigilance population qui empêchait plein bandit yo ta abouti. Responsable police dans département même fait connaître que c'est supérieur hiérarchique là qui ba yo moyen pour yo capable peut-être qui pas ba moyen pour ta contrecarrer action bandit. Désir Venesse depuis Tirivière de l'Artibonite pour plus de détails. Malgré organisation dispositif bon côté population érigé en pile barricade dans région Balatibonite là dans l'idée pour protéger tête yo face à exaction bandi base gang griffe ak gang palmisio toujours vinn faire dans plusieurs localités à route nationale numéro 1. Ça pas empêché bandi yo continuer à faire l'autre stratégie pour continuer à piller, violer ensemble des monde qui vivent dans plusieurs localités. Ça la cause habitants qui vivent dans Kafoupey, Pachoual, Ditrejet, obligés courir quitter zone yo, kayo rete fermé, c'est rager à Capican, cap lever là-dedans yo. Population ensemble des zones ça yo, pas suspendre lancer SOS pour demander à responsable l'état dans pays a pour penser à situation yo dans région Balatibonite là qui la gagne pour compte yo. N'a pas rappelé semaine qui saute passé a bandi base gang rifio touye plus passé 3 moun et blessé plusieurs autres en bas coup de balle dans localité Pachoual qui tout collé à sous commissariat dans Ponsondéen. Policier qui cantonné commissariat Ponsondé fait quoi que yo pa gen moyen adéquat pour yo faire face avec bandi yo, même motocyclette pour yo déplacer yo pa gagnen. Yo mandé à responsable qui nan tête PNH là pour penser à situation yo qui sur route nationale numéro 1 qui c'est une zone stratégique qui pour permettre que population vaque libre et libre ak activité yo pendant fête police nationale d'Haïti a ayer bandi base gang griffio repointé dans localité Pachoual. Yo fait en pile coup de balle chanté si pas de vigilance population en pile monde dans localité ça attaque à victime et même policier qui dans sous commissariat bandi grand griffe ak bandi palmisio pas suspend théoriser population qui vive dans localité grand rat qui sous commune des salines qui partage limite ak Sandbouk si rivière la Tibonite. Bandi yo aller ak machine yo pillé caille yo pillé business yo prend toute qualité bagay que yo joine dans zone cela y aller dans base yo. Population dans grand rat mandé la police qui ça que doit faire pour permettre de retourner dans commune Tirivière la Tibonite pour venir protéger vie ak bien population. C'est bandi yo qui établit propre DGIO pour toucher dans mes business qui a fonctionné dans ville là. C'est yo même qui décide combien cob de ça dépend de taille business là, combien cob que doit payer pour fonctionnement yo dans bouk Tirivière la Tibonite. Ça la cause majorité monde qui a vivre dans centre bouk là à la section communale qui tout près yo
obligé abandonner kayo pour aller prendre humiliation nan dormi devant porte kaymoun ak sou place publique nan ville Saint-Marc ak Gonaïve ou Saint-Michel de la Talaye Désir Venesse Tirivia la Tibonite City Crète à Pierrot tak 509. Oui, j'en te dis le l'inclusion fait la force, c'est bien terme. Office protection citoyenne en tête collée avec mouvement sensibilisation pour bien-être albinos en Haïti, y a été organisé une cérémonie pour commencer journée internationale sensibilisation albinisme là hier mardi en présence protecteur citoyen et maître Nan Edouville, lycée représentant commissariat pour droit monde en Haïti, Nations Unies avec plusieurs dizaines membres. Resba pour une capacité ça seulement président Resba Neftali Jusme li même occasion si là te prend engagement pour lui continuer lutter contre toute forme de discrimination albinos yo a subi dans société li mande tout avec l'état haïtien s'il plaît prend responsabilité dans dossier ça Neftali Jusme a dit nous plus dans micro. L'inclusion, c'est de lutter contre l'exclusion sociale et les inégalités. Mais en dépit de tous les obstacles auxquels font face les personnes atteintes d'albinisme dans la société haïtienne, elles sont dévouées, créatives, éduquées et méritent de développer leur potentiel. Cette cérémonie organisée par le RISBA en collaboration avec le regroupement, l'OPC, vise à changer le regard envers les albinos en Haïti, afin de les considérer comme des personnes à part entière ayant des droits, ayant les mêmes droits que les autres. Il faut que l'État prenne en compte l'albinisme dans les programmes et projets politiques, prendre des mesures visant à accorder des facilités douanières à l'entrée des besoins spécifiques pour la prévention du cancer de la peau des albinos. Renforcer le RISBA afin que nous puissions aider les albinos en situation de vulnérabilité. Demander aux enseignants la prise en compte du handicap visuel des albinos. Et aussi, des mesures visant à favoriser le recrutement des personnes atteintes d'albinisme diplômées sans emploi en Haïti. Et aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion d'interpeller les organisations internationales des droits humains, de la société civile et surtout les autorités de l'État dans le but de collaborer avec le RISBA afin d'améliorer la situation des personnes albinos en Haïti parce que les droits de l'homme sont aussi valables pour eux. Depuis la création de l'association RISBA en novembre 2021, elle s'est engagée dans un travail de sensibilisation, de regroupement, de distribution de crème solaire, lunettes de soleil, chapeaux et d'autres médicaments afin de réduire la dégradation de la peau et les yeux des personnes atteintes d'albinisme en Haïti. En ce 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, j'aimerais dire à un albinos frustré, introverti, rabaissé que tu vaux mieux que ça. La lumière blanche sert d'éclairage, brille parce que tu es né pour briller. Nous devons lutter ensemble pour que les enfants atteints d'albinisme soient inclus dans la société. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons briser ces stigmas, leur assurer un avenir stable. Nous avons un protecteur citoyen, maître Renan Edouville, qui n'a pas manqué un mot pour faire éloge. RISBA comme organisation qui a fait promotion pour défense droit albinosio dans société a défenseur droit monan qui regarde discrimination albinosio yo souvent subi dans société a et yo fait connait que pas droit gain exclusion avec discrimination dans affaire droit moun et bien dans sens ça li plaider en faveur bon gens soins de santé avec avantage social pour catégorie sociale ça Renan Edouville encore une fois dans notre micro. Nous n'allons pas célébrer cette journée car la communauté des albinos subit trop d'injustices. La communauté des albinos subit trop de discrimination. Les enfants, les jeunes, les adultes de cette communauté. Nous parlerons de célébration de cette date si le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés me permet de le dire ainsi, quand il n'y aura plus d'exclusion avec le triomphe de la dignité humaine. On parlera de célébration quand il n'y aura plus de moqueries à l'égard de cette communauté, avec le triomphe de la tolérance sur l'intolérance. On parlera de célébration quand les albinos, ici à Port-au-Prince,
et aussi dans les villes de province auront accès gratuitement aux soins de santé, aux médicaments, aux produits de base, leur permettant de vivre en toute quiétude, sous le soleil et dans la chaleur. On parlera de célébration, n'est-ce pas, avec le professeur Auguste, qui est au fond, quand l'État assumera ses responsabilités et les instances internationales joueront pleinement leur rôle envers la communauté des Albinos. La question de Amoun, pas d'exclusion. La question de Amoun, pas de discrimination. La question de Amoun, pas capable de discrimination qui chita sous nationalité, sous race, sous couleur peau, sous religion, sous sexe, sous orientation sexuelle. Car, conformément à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, l'OBC veut profiter de l'occasion pour renouveler solennellement, publiquement, sa ferme volonté de travailler pour le respect, la protection, la mise en œuvre des droits des albinos dans le pays. Nous avons le président conseil municipal Alcaïa, Jean-Edner Gilles, qui a annoncé la construction de un pont sous la mer à côté que Mounio va gagner pour embarquer, pour rentrer dans la capitale. La décision, ça les prend. D'après constat que l'y fait, côté que c'est sous dos, Mounio, citoyen yo, a traversé pour almonter bâtiment yo. Et non, l'autre bord, agent intérimé a déclaré que 29 jours ça jour congé dans la ville Alcaïa, occasion, célébration, fête Saint-Pierre-Lan, qui c'est bien sûr patron ville. Eh bien, on va aller juste des plus de détails avec Pascal Fleuristil depuis Alcaïa. Président commission municipale commune Alcaïa, Jean-Edner Gilles, annoncé mairie a gagné deux grands projets pour réaliser pendant le mois de juin. Agent intérimaire a dit, li interpellé pour façon li wè moun yo ap embarqué sou ti kanot, parfois en pile nan yo, c'est sous dos pour yo pote yo, pour yo cal sou bâtiment. Nan sans ça, li annoncé construction yon pont pour faciliter moun yo sou ti a terre pour al monter bâtiment. Pour sa arrivé fait, conseil a déjà entré en contact avec plusieurs techniciens dans la commune pour projet ça capable réaliser dans un petit temps qui pas trop long. Président commission municipale commune Alcaïa annoncé 29 juin c'est fête Saint-Pierre dans ville Alcaïa. Dans sens ça, autorité communale yo annoncé jour ça c'est pour un jour congé. Porte entreprise yo, l'école ak institution yo a prêté fermé. Jean-Edner Gilles mande tout moun ki nan commune nan pour participer pour une fête la pi belle année sa pendant a propre zone yo ak quartier yo. Agent intérimaire a déclaré tout, mairie l'a dirigé a prend toutes mesures nécessaires pour peinturer l'église lan et puis créer un espace pour moun capable vinn défouler yo nan occasion an. Parallèlement, clergé paroissial Saint-Pierre a annoncé une série d'activités religieuses et paralitiques dans l'occasion de la célébration fête patronale Ville Alcaïa. Peyo qui n'a pas wasla mande tout le monde pour venir participer grandiosement dans la fête là, bien que la situation soit difficile. N'a fait songer fête Saint-Pierre c'est deuxième plus gros fête dans la commune Alcaïa après fête Drapoa qui célébré chaque année 18 mai. Pascal Fleuristil pour arrondissement Alcaïa, TAC 509. Gen tout plusieurs dizaines enseignants qui a travaillé dans l'école qui fait partie de programme Sugouan côté que yo a connait de mauvais moments dans département Niplan qui organisé yon sitting journée qui mardi 13 juin 2023 dans bureau départemental élection Niplan dans l'idée exiger pour yo capable exiger l'agent de l'année travail et yo fait connait que ministre éducation nationale doué yo et bien enseignant si la yo sorti dans différents établissements scolaires dans département te lancé en pile parole puis en bouc contre responsable éducation dans département bien sûr Jean Nelson Pierre et il était tressé tout barricade avec Wash Fatra devant bureau a c'est comme ça information yo a déroulé sans plus tarder. Nous tous connaissons qui j'ai des difficultés au déjà dans le pays. Un pays jeune a fait face avec un pile problème à cause de difficultés ça yo et bien qui s'est passé
certains là-dedans qui sont secours, yo kon gen tendance prendre tête pour finir avec la vie. Eh bien mesdames, mesdemoiselles et messieurs, wa communication son bagay qui pa gen aucun jeune, vin jeune l'état qui va prendre en charge encadrement jeunesse pays. Eh bien oui, c'est la raison pour laquelle qui fait que yo te prend initiative pour te aller rencontrer pour nous et brasser l'idée tout avec quelques parmi yo qui kon gen l'idée ça dans tête yo. Eh bien kounyan là nous va le permettre de joindre yo reportage par Adiani Oxima. Fait que ma vie tu étais pas condamné au monde, pas critiquer au monde qui rêvé dans l'étape ça. Je sais lui-même seulement qui connaît qui ça l'étape subi. Pendant dernier jour ça yo, en pile jeune fille avec jeune garçon à vivre des moments difficiles, côté parfois yo qu'on obligé tuer tête yo pour arriver finir avec la vie. Car qui pire récent, c'est Danaïka Duplan qui obligé tuer tête li à cause problème toute carte la prend durée. Nancy Saint-Primo, c'est une jeune fille qui a expliqué qui j'en pendant plusieurs fois l'icône voulait prendre même route ça tout. Quand on est dans un moment de dépression, c'est pas optable, mais c'est par rapport avec tout ça que on a enduré qui vient rendre dépressif. Oui, ça arrive pendant un moment de dépression, moi penser avec tuer tête moi parce que les ça que m'a enduré a dépassé, pas qu'à contrôler encore, moi souvent ouais, c'est suicide là la meilleure solution et moi analyser réellement moi ouais, c'est la meilleure solution parce que le ça me connaît, m'a fini avec toute bagaille. Pour Chantal, une jeune fille 18 l'année qui kon vle pren route sa tout bay quelques raisons qui ka la cause yon jeune arrivé tué tête li que ma vie va mami mais maman pa à l'aise avec si on va arriver pour me ka expliquer li ça ka privé que gen les baraka qui rive le fait que on ka pas faire aucun monde crédit pour m'expliquer ça et puis maman kon invite tête moi ça c'est premier cas. Deuxième façon ça ka arrivé si que ma vie bon père mais ma vie un monde qui a maltraité me dit son femme de ménage m'a travaille ka monde à cause pas en bien parent pa gagner yo ta vrai ma vie ka monde pendant ce temps pensé ma bien vivre pendant ce temps c'est pas vrai. Guito Pierre, yon étudiant, tak 509 te parlé ak li, ap essayé de décortiquer ki côté phénomène sa sorti. Pour même phénomène pan tête là, c'est un phénomène qui pas daté d'aujourd'hui, il était connu fait déjà. Mais ça fait quelques temps nous pas tendé la société haïtienne nan, et ceci c'est un phénomène qui est produit dans d'autres pays. La dépression c'est l'une des raisons qui t'a metté sous table là, fait moun yo surtout façon dont nous vivons ici en Haïti pour le moment, moun yo même yo a commencé rentrer dans la logique ou bien dans la pratique cela. Devant situation ça, Nancy Saint-Primo qui c'est une jeune chrétienne explique l'était dans situation ça, c'était la prière qui t'a consolé. Chantal lui-même conseiller autorité concernée yo pour pas prendre ça à la légère pour empêcher plus jeunes victimes dans cas pendaison. Oui, je suis capable de dire, pendant que je souffre de dépressif, ce n'est pas parce que je suis plus forte qui fait que je arriver à tuer tête. Mais c'est grâce avec la parole de Dieu. D'après ça que je connais, Dieu dit sur la question du suicide qui fait que je vais faire. Ça qui arrive à n'importe qui, ça va dépendre de quelle situation. Immédiatement que vous faites ça, et bon Dieu va reconnaître l'amour. Parce que c'est ce que vous faites tout le monde. Mais je pense que ça yo si tout pour yo pas représenter une bagaille que nous capable faire. OK, essayer créer un bagaille pour jeunes yo surtout les qui ont bagaille passé ou pas comme si et je voulais expliquer ça comme si pour pas honte ou bien pour monde pas prendre ça mal nous étant pas mon assurance. OK, nous pas lier mon là expliquer ça passé pour pas montrer que li pour colle c'est que monde ça en colle dans moment difficile et c'est les jeunes côté pour colle qui pas gain monde ça même si que ta comme si gon envie pour dire pas faire la style tu fais pas chez lui pourquoi. Osma Joseph, yo historien sociologue a expliqué raison qui la cause yo moun pan tête li yo zak la loi condamné d'après historien. Et c'est un phénomène qui a fait partout à travers le monde activité que la loi li condamné. Donc pendaison c'est une activité criminelle, donc c'est un suicide côté la loi li pa wè ça de bon œil. Gen deux grands bagages qui capable faire moun pan tête. Premièrement, moun nèg doit trouver une situation qui extrêmement difficile, li pa l'autre issue et puis li pan tête. Moun nèg doit tout atteindre un niveau de satisfaction avec ville, donc li gen pas des gens comme un fantasme, li pan tête. Yon moun tout qui déçu, donc ça veut dire qu'il était une attente pas comblée, ça capable créer une sensation de pas des gens la caille. N'a signalé suicide, c'est une réalité sociale qui rampile dans le pays d'Haïti. Dans l'année 1960, Biostatistique haïtien
te révélé quantité suicidio te varie en 2 à 3 par année. Mais il était impossible tout pour établir tout exact là à cause nati trop sporadique phénomène ça dans pays. D'après Emerson Douyon, absence virtuelle suicide en Haïti, c'est une question de facteurs socio-économiques tant qu'ou intégration instructive famille, forme la vie communauté comme élément psychologique tant qu'ou misère. Pendant dernier temps ça yo, problème la vie mélangé à quelques mauvaises expériences sentimentales au soyons l'autre toujours la cause n'a pas continué. Perdi avenir pays. À Diane Oximable. Nous on fait place sans arrêter avec Jonathan Charles pour dossier sport. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous li. Actualité sur le plan local, match amical de préparation dans football, sélection haïtienne nan li même hier te joué face équipe Saint Kitts et Nevis là. Grenadier bat match là 3-1. Buteur yo c'est Carnegie Antoine qui te fait goal, Mondi Prunier avec Steven Saba, c'est trois moun sa yo qui te fait goal pour sélection haïtienne li même qui impose. Si nous ta fon kou regarder qui 11 Gabriel Calderon nan Pellegrino te utilisé. Je te joue dans goal avec Alexandre Pierre, défense là te Steven Seyans, François Dulis, Garvin Metusala, te gen tout Wild Donald Guerrier lui-même qui te capitaine. Yo mi te terrain te gen Calfred Sainté, Leverton Pierre, Steven Saba, Carnegie Antoine, yo attaque te gen Duc Lacroix avec Mondi Pounier. Sélection haïtienne qui continue à préparer et deuxième match y a bien pour jouer c'est pral vendredi 16 juin qu'a venir là face équipe Miami United là déjà que nous t'ai confirmé ça déjà en rubrique là auparavant match a joué vendredi 16 juin qu'a venir là n'a parlé qu'on a football expatrié dans pays la France dans D1 Arkema française là gagner Melchida Hel Djourmoné qui remporté un nouveau prix individuel. Il recevra prix meilleure joueuse du mois mai qui se passe là. Corentina qui totalise un affaire de 46,3% dans votre yo. Et pour le mois Mia, Melchida Hel Djourmoné a fait 5 goals. Te ba yon passe goal parmi 5 goals, il a fait 2 doublés. Et c'est pour la deuxième fois que Corentina a remporté prix meilleure joueuse. Pour moi, dernière fois, c'était dans le mois de décembre 2022. Et là, c'est mois mai 2023. Ces dernières distinctions individuelles liées avec l'équipe Stade de Reims. Nous connaissons Corentina lui-même qui déjà signé avec l'équipe olympique lyonnaise. Là. Et c'est une équipe ça, là, qui pour jouer la saison prochaine. Nous allons parler de la Gold Cup 2023. La CONCACAF qui disqualifié sélection nicaraguayenne pour Gold Cup 2023. Parce que la sélection Nicaragua pendant 8 matchs Ligue des Nations, il a joué, il a utilisé un joueur qui est Richard Rodriguez. Monsieur lui-même, il fait dans le pays de l'Uruguay, mais monsieur semblait beaucoup jouer nationalité nicaraguayenne. Et la CONCACAF qui fait qu'on ait un autre problème administratif qui a beaucoup dévoilé que Richard Rodriguez lui-même l'a beaucoup rempli. C'est Trinidad et Tobago lui-même qui bénéficiait place Nicaragua et Nicaragua lui-même, j'ai qu'un dire. Trinidad, pardon, c'est dans le groupe A, lui-même lui prédit en compagnie de les États-Unis d'Amérique. La parle de la Ligue des Nations dans la zone CONCACAF, qui est sélection panaméenne. Lys 23 au sorti pour y jouer demi-finale. Et dans le goal, c'est Luis Meya, César Samundo, Orlando Mascara, c'est trois gardiens. Il y a des forces qui gagnent César Blackman, Harold Cummings, qui est Fidel Escobar, Rodrigue Miller, Eduardo Miller avec Eric Devise et Michael Murillo. Mettez-en Christian Martinez, Adalberto Carrasquilla, Edgar Barcinas, Freddy Gondola, Andrés Andrade, Alberto Quintero, Anibal Godoy, César Vanis. Attaque la option Giovanni Welch, Azar Diaz Londoro, Ismael Diaz, José Fayardo, lui-même qui est capitaine. Gentou Cecilio Waterman, c'est 23 Monsayo qui Hispano Danois, monsieur le Thomas Christensen, Tarin chez 50 ans, li nan tête Marie Rougeau ti sur nosa ba à sélection panaméenne depuis 2020, c'est monsieur Jacques Ndiam, monsieur le Thomas Christensen, Tarin chap entraîné sélection panaméenne. La petite football CONCACAF pour nous aller en Europe pour nous parler Ligue des Nations dans zone Europe là. Troisième édition 1, programmation premier demi-finale a joué jeudi mercredi à 2h45 dans l'après-midi.
c'est les jeunes irlandais là pour jouer face équipe Croatie. Un match qui va dérouler dans le stade Feyenoord là qui a une capacité 51 177 places. Stade ça dans ville Feyenoord dans pays la Hollande. Nous ces sélections néerlandaises là même cap recevoir match ça. Si nous regardons deux équipes ça a joué deux matchs dans l'histoire seulement 11 juillet 1998 dans match 3e place qui la Hollande même te prend 2-1 dans mais Croatie. Tout le monde songe belle équipe Croatie ça qui était gagné en certain Davor Suker, monsieur qui a fini meilleur buteur mondial 1998 là, te permet avec Kwasi, te fini meilleur troisième dans mondial 1998 là. Et dernière fois l'équipe ça a été joué c'était 6 février 2008, ça a été joué un match amical. La Croatie te prend sévère 3-0 dans main sélection néerlandaise là, c'est Kwasi qui te recevoir match football ça. Nous parlons pour le troisième affrontement de l'équipe de l'histoire. Qui ça qui va le passer? Gagné capitaine, champion du monde argentinien, Lionel Andrés Messi. Monsieur lui-même, dans une interview, il était bas hier mardi avec un média chinois. Monsieur lui-même fait qu'on est. L'époque lui-même qui va jouer mondial 2026 là. N'a pas cité ça, monsieur dit. Moi, pas pensé ça. C'était dernière Coupe du monde, moi. M'a suivi pour moi qui chance après le passé, mais pas sous principio. Mais moi pas aller dans prochain coupe du monde là c'est ça Lionel Andrés Messi lui-même qui fait qu'on est une nouvelle qui vraiment pas fait du bien ensemble avec un paquet fanatique argentine il était espéré pour le gars lui-même te jouer 6e coupe du monde là en 2026 Lionel Messi qui a gagné 39 ans là monsieur lui-même qui te fait qu'on est il pas jouer coupe du monde là t'a parlé qu'on y a football transfert selon journal espagnol la Diario AS Barcelone joue un accord pour signer un jeune attaquant brésilien, Vitor Roque, pour avoir fait 43 millions d'euros. Vitor Hugo Roque Ferreira, qui a 18 ans, la prochaine équipe Atlético para la NCA, monsieur lui-même qui sont là pour rejoindre l'équipe Barcelone. Toujours football transfert en Allemagne, il y a un quotidien allemand Bild, qui fait qu'on équipe Bayern Munich là, retire tout espoir sous Declan Rice. C'est Arsenal qui est sur la bonne voie pour t'assigner mi-temps terrain anglais lui-même qui gagne 24 ans fraîchement champion avec équipe West Ham United là dans Ligue Europa Conférence qui équipe West Ham dans te bat équipe Fiorentina 2-1 Declan Rice monsieur lui-même lycée un jeune international anglais j'ai une équipe West Ham United là dans pays la France gagné en Milan Skriniar monsieur confirmé l'arrivée dans l'équipe Paris Saint-Germain, j'ai lui-même qui est en pleine concentration avec la sélection en Slovaquie. On connaît pas de moment ça, il y a une journée FIFA et dans semaine ça l'autre semaine, mais déclaration monsieur lui-même fait connait n'a cité. Nous verrons ce qui se passera au PSG. Mais l'important est que j'aille bien. Aujourd'hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l'entraîneur veut m'aligner, j'aiderai l'équipe parce que je suis prêt à déterminer à Paris ou Paris Saint-Germain. Nous verrons ce qui se passera. Mais l'important est de se sentir bien. C'est ça que Milan Skriniar lui-même fait connaître pendant la conférence de presse avec sélection en Slovaque là lui-même. Monsieur c'est un défenseur central. Monsieur Pral Porté, numéro 37 dans l'équipe Paris Saint-Germain. Monsieur lui-même était soutenu dans l'équipe Inter de Milan quand il était fait de 2017 à 2023. J'ai fait 10 goals de 142 matchs et fraîchement finaliste malheureux avec l'équipe Inter de Milan lui-même. Et la fait connaître qu'il était perdu en finale Ligue des Champions 1 face équipe Paris Saint-Germain. La dernière fois, on a mis fin dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles même t'a présenté nous. Merci beaucoup Jonathan et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. C'était bien avec vous, René Thomas, des micros pour servir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Yon pays qui fin krasé. Lèm de piti, expression sa pat gen ken sens pou mwen, malgré le te en kriol. Lèm mou mte kon pataje ak zanmim yo, pat bon temps pou m chèche comprendre tout. Lèm vin voyager, jèm commencé l'ouvri sou kek réalité. Même te vin pipe réalité sa yo. M pat anvi comprendre. Après 10 ans nan pays l'étranger, malgré toute mauvaise nouvelle,
nostalgie exige me venir visiter pays. Et c'est là on commence à regretter qu'il m'ait grandi. Plutôt que de petit. Pendant la bataille entre nous, nous pas engagés, nous n'avons rien qui est important pour nous. Depuis, c'est pas pour chou qui te mêle ou à kidnapping. Juste pour la ou ka, te kyo qui te mêle ou à pays show. N'a clé ou ne manifeste, mande justice pour Jovenel. Pendant ce temps, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que tête nous droite, qui justice n'a pas cherché là? Abraham gen pour lui dire cette assez, n'a pas foutu suspendre à cela. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'aime pas suspendre fait caca. Semble n'a pas foutu en retard. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal. Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce?